La lutte antifraude, désormais chapeautée par une structure unique, le CODAF, le Comité Opérationnel Départemental Antifraude. Présidé par le préfet et le procureur de la République, il renforce une coopération qui existait déjà notamment entre les services de police et les services de l'État comme les impôts, la CAF ou l'URSSAF. En 2010, les efforts sont concentrés sur le travail dissimulé, les fraudes à la facturation dans le domaine sanitaire, les commerces qui délivrent des boissons à emporter ou encore les propriétaires de gros cylindrés ou les sociétés de surveillance. En 2009, 632 personnes ont été contrôlées en Indre-et-Loire et 54 infractions relevées. De son côté, la CAF a lancé 200 contrôles à la fraude aux APL.